Et salut, c'est Genesis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de véhicules sur GTA Online. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur GTA Online, donc je me suis dit que c'était l'occasion de remettre ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau véhicule qui est ajouté, donc qui est la Cheetah classique que vous pouvez voir juste ici. Je vais aussi rapidement vous présenter la Wagner, parce que je l'ai pas fait dans une vidéo précédente. Que je l'ai pas tout simplement, je l'ai carrément zappé. Donc je vais vous montrer rapidement le prix de ces deux véhicules. Donc vous les trouverez dans Legendary Motorsport. La Wagner coûte 1 535 000, en sachant qu'elle est customisable un peu, puisque vous pouvez changer l'avant. Pas à l'arrière, vous pouvez mettre un spoiler, mais voilà. Après, vous avez différentes couleurs comme on peut le voir rapidement sur la voiture. Hop, voilà. Vous pouvez modifier la couleur intérieure, la couleur extérieure. Donc là, moi j'ai mis du orange profond. Et vous voyez les petites bandes jaunes ici. C'est toujours ça. Moi j'aime bien la couleur que je lui ai mise. Je lui ai mis un orange profond nacré rouge. Ça rend plutôt bien. C'est assez sobre, ça passe bien. Donc là, dans cette vidéo, on va s'arrêter sur la Cheetah classique. C'est ce que je voulais faire. Je vous mettrai une image de la Cheetah comme elle était avant dans les GTA. Vous allez voir que c'est vraiment le design de. Bah, c'est la reprise du design, quoi. Le design des jeux précédents. C'est vrai qu'ils l'ont changé sur celui-là. Mine de rien, c'est quand même un véhicule qui coûte 800. 60 000, 65 000, donc c'est beaucoup moins cher. C'est pas la même classe aussi. C'est pas le moins cher des véhicules classiques. Il coûte quand même 865 000 dollars. Donc après, il est classe, franchement, il est vraiment classe. On va aller voir ce que ça. Ah, j'aurais pu la customiser directement. Bon, c'est pas grave, comme ça je verrai la tenue de route. Elle m'a l'air vraiment classe, c'est classiquement une Ferrari en fait. C'est une reprise de la Ferrari. Je pourrais pas vous dire le modèle parce que j'ai complètement. Alors bien sûr il fait nuit. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là. On va en profiter pour voir la tenue de route du véhicule. J'espère qu'il aura une bonne tenue de route. On va essayer de pas l'abîmer aussi. Le moteur est classe, enfin le bruit moteur est vraiment classe. Par contre la tenue de route, ouais, faudrait que je teste ça sur une ligne droite avec des virages. Après faudrait que je fasse des courses avec pour voir ce que ça donne. Elle freine plutôt bien. Non, elle m'a l'air plutôt pas trop mauvaise. Après c'est une classique, c'est-à-dire que c'est un véhicule que vous allez moins utiliser en course, des choses comme ça. Parce que globalement, les courses sont pas créées pour ce type de véhicule. Alors, oh, il y a de la modif. Il y a de la modif possible. Oh. Ah, je dis la modif, mais vraiment pas beaucoup, quoi. Vous avez le niveau 1 ici avec la couleur principale et secondaire. Avec un séparateur avec couleur 1 et couleur 2. Et. C'est la version sport, ça change quoi? Ah d'accord, ça change juste des trucs là. Ah, et ça met des trucs là aussi. Après vous allez me dire, ça change pas beaucoup au niveau prix. Et par choc arrière, on peut juste le mettre couleur 2. D'accord. Le moteur. Oh, on peut régler le bloc moteur. Ah oui, c'est juste la couleur. Alors ça on verra après. Je vous avoue que là. Ouh, je vais mettre le carbone, tiens, ici. Ça passe bien. Les ailes. Alors ça c'est bien par contre. Alors, on a soit un rajout ici. Soit une aération comme ça. Soit l'aération ici. Enfin la sortie d'aération du coup. Soit la sortie d'aération plus ça.
Moi, je partirais plus sur celui-là avec l'aération en haut là. Le capot, ah le capot. Oui, on a la version de série avec ce truc assez moche, on peut se le dire quand même. Performant, rétro, rétro 1, rétro 2. On va mettre le rétro couleur 2. Klaxon, je m'affiche un peu là, j'avoue. Kit néon, juste sur les côtés, comme d'habitude. Je mets toujours sur les côtés. Alors, la couleur principale. Je pense que je vais partir sur du mat rouge. Quoique, j'ai envie de me dire que le jaune passe bien. Le jaune passe super bien sur cette voiture. Alors, après, couleur secondaire, peut-être partir sur du classique pour avoir un peu. Qu'est-ce qui irait bien avec. Le bleu va bien avec le jaune, mais je pense que je vais changer la couleur de ça parce que ça fait très moche. Ça fait très très moche. Après, je peux. Ouais, du noir, c'est bien. On peut pas nacrer, c'est normal. Couleur de finition, c'est l'intérieur. Alors. Je pourrais mettre du rouge. Rouge sang. En fait, j'aimerais voir ce que ça donne, mais de l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie de payer et de me rendre compte qu'après, c'est de la merde, en fait. J'aimerais voir ce que ça donne de l'extérieur. Donc ça me casse un peu les pieds. Sinon je peux essayer de mettre la couleur secondaire, c'est-à-dire du noir. Sachant que c'est déjà noir. On va l'éclaircir. Ça me coûte pas trop cher. C'est plutôt classique, j'ai pas envie de les mettre de toutes les couleurs non plus. Le toit. Oh, oh! Ça j'aime bien! National. Non, ça passe pas avec les couleurs de la voiture. On va partir sur celui-là. Couleur 1. Hop. Un aileron, alors voilà. Aileron rétro. Ok. Aileron GT rétro. Ok. C'est pas mal ça. Course rétro. Classique. Ça change quoi en fait le classique? Ah, ça change ça. D'accord. Là, on voit le moteur. Du coup. Alors, on GT. GT couleur 2. GT 2. D'accord. Non, moi, je pense que je vais plutôt partir sur ça ou ça. Celui-là est pas mal. Allez, on met celui-là. Non, c'est pas ce que je voulais faire, j'ai pas fini. Vous permettez? Alors, les roues. Alors, on va partir sur du sport, je pense. Ça me paraît être le mieux pour ce type de véhicule. Surtout que c'est une sportive classique. Donc ça me paraît être bien pour ce type de véhicule. On va partir sur celle-ci. Avec une petite couleur assortie à la couleur secondaire, bien sûr. Bien noir. Pneu apparence. Est-ce qu'on les met? C'est dommage qu'on puisse pas changer la couleur du truc là, sinon j'aurais mis du jaune. Bon, ça passe plutôt bien. Ça fait vraiment une belle voiture type circuit. Manque plus qu'un ou deux stickers et ça passe encore mieux. Et une petite fenêtre fumée foncée. On va partir aussi derrière sur l'éclairage.
couleur des néons du coup. On va mettre ça. Et c'était donc ça, voilà. Parce que du coup, ça le fait mieux comme ça. Et c'était quoi? C'était le capot, c'est ça? Non, c'était le moteur. On va le mettre jaune. De toute façon, on le voit pas trop, mais bon, c'est pas grave. Ce sera pour les plaisirs des yeux si jamais j'ouvre le truc. On a un très beau véhicule. Franchement, je trouve que il est plutôt bien customisable. Ça donne un putain de véhicule, mais magnifique, quoi. Il est super beau. J'ai un plein phare, bien sûr. Ah, il est vraiment magnifique, ce véhicule. Franchement, je suis plutôt content. On va sortir, on va en profiter pour le. Non, 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 non. Hey, it's Lester. J'ai chopé une prime, d'accord. Juste ça, voilà. Non, franchement, le véhicule est magnifique. Pour une fois, je trouve qu'il les vaut. Au niveau argent, même si ça reste cher quand même, pour une fois, c'est pas, on va dire, hyper excessif au niveau de l'argent. Après, c'est une sportive. Faut se le dire. Mais je trouve que au niveau customisation, il y a de quoi faire. C'est pas un véhicule qu'on peut pas customiser du tout, qui nous balance comme ça. En plus, il a du répondant au niveau vitesse. Il a un peu de mal au niveau tenue de route. Je vous avoue que. Non, il a du répondant. Hein. Il a pas mal de répondants. Il réagit plutôt bien. On va dire qu'à grande vitesse, si j'essaie de prendre un virage assez serré, il va avoir du mal. Oh, quoique. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette petite présentation de ce magnifique véhicule. Faut se le dire quand même. C'est un très très beau véhicule. Je suis en train de faire n'importe quoi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager. Et à laisser un petit com. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine pour une nouvelle présentation. Celle-ci. Avec une petite couleur assortie à la couleur secondaire, bien sûr. Bien noir. Pneu apparence. Est-ce qu'on les met? C'est dommage qu'on puisse pas changer la couleur du truc là. Sinon, j'aurais mis du jaune. Bon, ça passe plutôt bien. Ça fait vraiment une belle voiture type circuit. Manque plus qu'un ou deux stickers et ça passe encore mieux. Et une petite fenêtre fumée foncée. On va partir aussi derrière sur l'éclairage. Couleur des néons du coup. On va mettre ça. Et c'était donc ça, voilà. Parce que du coup, ça le fait mieux comme ça. Et c'était quoi? C'était le capot, c'est ça? Non, c'était le moteur. On va le mettre jaune. De toute façon, on le voit pas trop, mais bon, c'est pas grave. Ce sera pour les plaisirs des yeux si jamais j'ouvre le truc. On a un très beau véhicule. Franchement, je trouve que il est plutôt bien customisable. Ça donne un putain de véhicule. Mais magnifique quoi. Il est super beau. J'ai un plein phare bien sûr. Ah, il est vraiment magnifique ce véhicule.
Franchement, je suis plutôt content. On va sortir, on va en profiter pour le. Non, 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 non. Hey, it's Lester. J'ai chopé une prime, d'accord. Juste ça, voilà. Non, franchement, le véhicule est magnifique. Pour une fois, je trouve qu'il les vaut. Au niveau argent, même si ça reste cher quand même, pour une fois, c'est pas, on va dire, hyper excessif au niveau de l'argent. Après, c'est une sportive, faut se le dire. Mais je trouve que au niveau customisation, il y a de quoi faire. C'est pas un véhicule qu'on peut pas customiser du tout, qui nous balance comme ça. En plus, il a du répondant au niveau vitesse. Il a un peu de mal au niveau tenue de route. Je vous avoue que. Non, il a du répondant. Hein. C'est la reprise du design, quoi. Le design des jeux précédents. C'est vrai qu'ils l'ont changé sur celui-là. Mine de rien, c'est quand même un véhicule qui coûte 860 000, 65 000. Donc c'est beaucoup moins cher. C'est pas la même classe aussi. C'est pas le moins cher des véhicules classiques. Il coûte quand même 865 000 dollars. Donc après, il est classe. Franchement, il est vraiment classe. On va aller voir ce que ça. Ah, j'aurais pu la customiser directement. Bon, c'est pas grave. Comme ça, je verrai la tenue de route. Elle m'a l'air vraiment classe. C'est classiquement une Ferrari en fait. C'est une reprise de la Ferrari. Je pourrais pas vous dire le modèle parce que j'ai complètement. Alors bien sûr, il fait nuit. Alors ce qu'on va faire, qu'on va aller là. On va en profiter pour voir la tenue de route du véhicule. J'espère qu'il aura une bonne tenue de route. On va essayer de pas l'abîmer aussi. Le moteur est classe. Enfin, le bruit du moteur est vraiment classe. Par contre, la tenue de route. Ouais, faudrait que je teste ça sur une ligne droite avec des virages. Alors, faudrait que je fasse des courses avec pour voir ce que ça donne. Elle freine plutôt bien. Non, elle m'a l'air plutôt pas trop mauvaise. Après, c'est une classique, c'est-à-dire que c'est un véhicule que vous allez moins utiliser en course, des choses comme ça. Parce que globalement, les courses sont pas créées pour ce type de véhicule. Alors, oh, il y a de la modif. Il y a de la modif possible. Oh. Ah, je dis la modif, mais vraiment pas beaucoup, quoi. Vous avez le niveau 1 ici avec la couleur principale et secondaire. Avec un séparateur avec couleur 1 et couleur 2. Et. Quoi, c'est la version sport, ça change quoi? Ah, d'accord, ça change juste des trucs là. Ah, et ça met des trucs là aussi. Après, vous allez me dire, ça change pas beaucoup au niveau prix. Mais. Et par choc arrière, on peut juste le mettre couleur 2. D'accord. Le moteur. Oh, on peut régler le bloc moteur. Ah oui, c'est juste la couleur. Alors ça, on verra après. Je vous avoue que là. Ouh, je vais mettre le carbone, tiens, ici. Ça passe bien. Les ailes. Ah, ça, c'est bien, par contre. Alors, on a soit. Je vous avoue que là. Ouh, je vais mettre le carbone, tiens, ici. Ça passe bien. Les ailes. Ah, ça c'est bien par contre. Alors, on a soit un rajout ici. Soit une aération comme ça. Soit l'aération ici. Enfin la sortie d'aération du coup. Soit. La sortie de l'aération plus ça. Moi je partirais plus sur celui-là avec l'aération en haut là. Le capot. Ah le capot. Oui, on a la version de série avec ce truc assez moche, on peut se le dire quand même.
Performant, rétro 1, rétro 2. On va mettre le rétro couleur 2. Klaxon, je m'affiche un peu là, j'avoue. Kit néon, je suis sur les côtés, comme d'habitude. Je mets toujours sur les côtés. Alors, la couleur principale. Je pense que je vais partir sur du mat rouge. Quoique. Quoique, j'ai envie de me dire que le jaune passe bien. Le jaune passe super bien sur cette voiture. Alors, après, couleur secondaire, peut-être partir sur du classique pour avoir un peu. Qu'est-ce qui irait bien avec le bleu va bien avec le jaune, mais je pense que je vais changer la couleur de ça parce que ça fait très moche. Ça fait très très moche. Après je peux ouais du noir c'est bien. On peut pas nacrer c'est normal. Couleur de finition c'est l'intérieur. Alors je pourrais mettre du rouge. Rouge sang. En fait, j'aimerais voir ce que ça donne, mais de l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie de payer et de me rendre compte qu'après c'est de la merde en fait. J'aimerais voir ce que ça donne de l'extérieur. J'avoue que ça me casse un peu les pieds. Sinon, je peux essayer de mettre la couleur secondaire, c'est-à-dire du noir. Sachant que c'est déjà noir. On va l'éclaircir, ça me coûte pas trop cher. C'est plutôt classique, j'ai pas envie de les mettre de toutes les couleurs non plus. Le toit. Oh, ça j'aime bien.